Bon, ça, c'est fait. Et maintenant ? Hé, Lina. Ouais. Donne-moi la main. Hé, ce bâtiment rond, on dirait la station télé de ta carte. Ouais. Viens. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Eh ben, dis donc. La ferme. J'allais quand même pas te laisser faire ça toute seule. Je suis contente d'être là. C'était quoi, ça ? Il a foncé dans un piège. Un quoi ? Un piège explosif. Regarde bien où tu mets les pieds. Ok. Je crois qu'il faut qu'on descende. Où est-ce que tu vas ? Attends une seconde. Des wolves ? J'en vois pas, mais ça veut rien dire. Ellie !
Putain. Tout va bien. Oh, j'ai mal aux fesses. Cette Léa, qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est plus là-bas? J'ai pas envie de penser à ça maintenant. On devrait mettre des pièges à fil comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Des dessins, voilà. Genre, un pied qui trébuche sur un fil, et après, un grand feu. Je suis sûre que je pourrais en bricoler. Je t'aime bien, tu sais. Je vais le voir écrit noir sur blanc. Une fois, j'ai rencontré un pote de Joël, qui avait piégé une ville entière. Les habitants, ils faisaient comment? Il était tout seul. Attends, il avait une ville entière pour lui tout seul? Il était du genre méfiant. C'est triste. Mais ça lui a sauvé la vie. C'est pas comme si on devait choisir entre survivre et être proche des gens. Tout n'est pas noir ou blanc. Quand même, ça peut être dangereux. C'est bien plus dangereux de rester seul. Imagine qu'il se blesse. Imagine qu'il tombe malade. Et imagine que quelqu'un d'autre se blesse ou tombe malade. Ça fait un poids en plus à porter. Et au final, ça fait qu'empirer les choses. Ouais. C'est vrai aussi. Hey, regarde. Qui c'est, à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout. Tu crois qu'elle a un rapport avec les Wolves? Je sais pas. C'est trop bizarre. Putain de merde. Ils ont été tués par balle. Regarde. C'est celui de Tommy. Les infectés l'ont bien amoché. Est-ce que ça va? Ouais, désolé, c'est juste l'odeur. Oh. D'accord. Il a dû continuer à pied. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète.
Comment ça se fait qu'il y ait autant de dégâts ici? C'était pas comme ça à Boston, si? Non, il n'y a pas eu de guerre civile à Boston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Je vois pas de Wolf. Non. Mais on ferait mieux de faire gaffe quand même. Est-ce que tu vois? Par là. Faut monter. Oh. Encore des cadavres. Tu es par balle, eux aussi. C'est sûr. Tommy est arrivé par ici. Je parie qu'il a pris ce chemin. Stop. Un piège. Merde. Bien vu. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infecter. Peut-être. Mais au moindre faux pas. Ouais, faut qu'on fasse gaffe. Pas bête. Ça fonctionne. Ouais. J'ai vu Joël faire ça une fois. Ces herbes hautes, ça me rend nerveuse. Ouais, on a plus de mal à les repérer. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Ils doivent pas traîner dans le coin avec tout ça. Tu vois, t'es optimiste quand tu veux.
Tiens, ici aussi. Shit.